Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je crois que j'ai pas faite depuis très longtemps parce que j'ai pas forcément l'occasion. Il s'agit d'un énorme, mais genre énorme, monumental, gargantuesque, tout ce que tu veux, unboxing. Je suis désolée par avance, je suis très enrhumée, j'ai très mal à la gorge, donc je risque d'avoir la voix qui fait ça, déjà. Et également peut-être d'avoir des quintes de toux. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous aurez des coupes assez bizarres dans le montage. Mais j'ai des grosses quintes de toux, donc voilà. Donc, je disais, énorme unboxing. D'habitude, bah, j'unboxe un peu dans les vlogs, donc vous les voyez régulièrement. Mais là, c'est vrai que je suis partie 2 semaines, je viens de rentrer et il y a une montagne de colis. Je les ai pas comptés, mais je pense qu'on est entre 20 et 30, honnêtement. Et dedans, il y a une commande que j'ai faite moi sur Jibert et le reste, ce sont des SP. Donc voilà, c'est la rentrée. Ça reprend, j'ai quasiment rien reçu cet été, vous avez bien vu. Mais là, c'est vrai que ça reprend et là, j'en ai beaucoup. On va découvrir ça ensemble. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans les colis parce que je m'en souviens plus. Vraiment plus du tout. Je sais juste pour un. Quand on arrivera à l'enveloppe, je vous le dirai, mais les autres, je sais plus. On commence. Alors, j'en ai partout. J'en ai dans mon dos, j'en ai sur les côtés et j'en avais à côté aussi là. Donc, on commence. Alors, celui-ci, tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un s'est lâché. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il a eu des problèmes. Attention. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est un... C'est un Charleston, le refrain de l'aube de Livia Menzolt. Non mais vraiment, c'est terrible, parce que j'ai dû l'avoir en épreuve non corrigée, je m'en souviens même plus. Non mais vraiment, j'ai vraiment un problème de cerveau, je m'en souviens plus, donc ça veut dire que je ne l'ai pas lu. Et ça se passe en Irlande, voilà. Bon bah, ça me fera l'occasion de le découvrir vu que je m'en souviens plus. Vu vraiment, plus du tout. Je vais essayer de faire une petite pile là sur le côté. On verra. Je me dépêche parce que sinon on en a pour 107 ans. Celui-ci vient de Bragelonne. Ah oui, génial. Celui-là, je m'en souviens, c'est moi qui l'ai demandé. Donc c'est The Mary Shelley Club de Goldie Moldavski. Ils ont toute une collection. Alors c'est Fibs. Donc c'est... ouais, c'est Bragelonne, autre ville, mais bon, c'est une autre collection, quoi. Avec des espèces de petits thrillers young adultes que j'aime plutôt beaucoup. Donc, j'avais très envie de découvrir celui-ci, puisque je l'avais pas. Et j'espère pouvoir le lire bientôt, parce que vraiment, j'aime bien cette collection. Je trouve qu'ils sortent des bouquins plutôt sympas. Et d'ailleurs, c'est pas mal pour les gens qui ont envie de commencer du thriller sans lire vraiment du thriller, tu vois. Je trouve que c'est un très bon compromis, donc c'est plutôt chouette. On prend comment? On continue les enveloppes? Allez, on continue les enveloppes. Alors... Prélude, ça je pense pas l'avoir demandé, ça me dit rien du tout. C'est pas grave, en tout cas il me tente. Donc c'est Fragile Réputation de Sarah Vaughan, j'aime bien l'autrice. Ils mettent votre réputation, il vous faut des années pour la bâtir, mais seulement quelques minutes pour qu'on vous la détruise, clairement. Voilà. Je sais pas tellement de quoi ça cause, de réputation je suppose. Mais c'était quoi cette rime incroyable? Applause. D'accord, je continue. Oh, je suis lourde, je suis désolée. Donc voilà, je trouve la couverture un peu chelou, personnellement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Après, j'espère que c'est pas trop politique. Derrière, il y a écrit « Un regard contemporain sur la misogynie et le harcèlement des femmes ». Ça peut être pas mal. Alors, vous savez quoi? On va prendre un comme ça. Je pense que c'est une BD. Et ça doit être... Ouais, c'est Bambou Édition, donc oui, c'est une BD. Oh non, ça foirax. Ah oui, trop bien. Alors, c'est Jamais, le jour J, donc de Duhamel chez Grand Angle. Et la première BD était vraiment chouette. Je ne l'ai pas, par contre, c'est dommage. Il faudrait que je la... Je vais regarder si elle est sur Next Story. Mais parce que je m'en souviens sans m'en souvenir. Je sais que c'est l'histoire d'une grand-mère qu'on veut exproprier parce que la falaise sur laquelle sa maison est posée est en train de se détruire, en fait. Et quand j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui sortait, j'avais très envie de le lire, donc voilà. La BD est très belle. Les BD, on va les mettre à côté. Un comme ça. Alors, normalement, ces trucs-là, ça vient de Bragelonne, souvent. Ah non, c'est Hachette. Enfin, Hachette, c'est le groupe Hachette. Ah, c'est Glena, souvent. C'est pas Bragelonne, c'est Glena. Ben là, c'est Vent d'Ouest. Ah, je suis désolée pour le bruit, ça va être hyper désagréable. Oh oui, ça... Ça, je... Ah, c'est dommage parce que c'est pas la saison, mais... Ah, faut que je vous le montre quand même. Il est trop beau. En plus, il est en... Au niveau du toucher, il fait vraiment... J'allais dire toucher papier, ça peut paraître bizarre, mais il est pas glacé ni rien. Donc, c'est Le Printemps de Sakura de Marie Jaffredo chez Vent d'Ouest. Regardez ça. Et...
Oh, ça a l'air tellement joli. Ça fait très. On dirait que ça a été peint avec de la pastel. Enfin, de l'aquarelle et tout. Ça a l'air super beau. J'aime énormément les dessins comme ça. C'est tout doux. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, alors je sais pas quand est-ce que je vous l'ai mis en ligne, mais au moment où je la tourne, il y a un week-end en bulle qui arrive. Bah, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc, je suis extrêmement contente d'avoir des nouvelles. D'avoir des super titres à lire comme ça. On va continuer dans les gros cartons. Comme ça, parce qu'ils prennent de la place. C'est toujours le groupe Hachette. C'est toujours une BD. Je déteste ces cartons, ils sont tout collants à l'intérieur. Là, on est chez Glenna. Oh oui, trop bien. Trop, trop bien. Donc, c'est le manoir Sheridan, la porte de Guéhenne, de La Montagne et Maï. Non, mais regardez ça. Je suis sûre que je pourrais caser ça pour Halloween ou pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas encore fait ma palle. D'ailleurs, normalement, vous avez vu ma palle, alors que moi, je l'ai pas. À l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore faite. Mais logiquement, vous, vous l'avez déjà vue. Ah, ça fait des dessins très. Je sais pas si vous pouvez voir, très très réaliste, je trouve. Donc voilà. Merci. Franchement, ça fait flipper les petits yeux, là. Je sais pas si vous pouvez les voir, mais c'est très flippant. Et on va prendre la dernière. Parce que ces cartons-là, vraiment. Parce que ces cartons-là, vraiment, ils prennent trop de place. Ouh là là. Je commence à plus avoir de lumière. Et on est en pleine journée, hein. Mais je suis plus en Espagne, en fait. Hein. Je crois que c'est un bug, ça. Ah bah, c'est un bug. Donc, eh ben les gars. Ah non, c'est le tome 2. Le manoir Sheridan, le tome 2. Mais c'est trop bien. Chez Vent d'Ouest. Mais c'est trop bien. Je pourrais enchaîner les deux. La couve est incroyable. Il s'appelle Retour aux Enfers. La couve est dingue. Je la trouve trop ouf. Trop bien. Ensuite, j'en prends un dans le dos parce que j'en ai dans mon dos et ça me fait mal. Bragelonne. Ah, trop cool. Un petit thriller, de chez Hauteville. Donc, Rentre avant la nuit de Lisa G. Well. En épreuve non corrigée. J'aime bien les livres de Lisa G. Well en général, ça passe plutôt bien. Donc j'ai hâte. Oh, tiens, c'est très très rare que je reçoive des épreuves non corrigées. Mais bon, peu importe. Hein. Aïe, j'ai failli me le manger dans la tronche. Voilà. Et ben, dis donc. Attends, ça me fait vraiment mal dans le dos, donc je vais virer tous ceux qui sont dans mon dos. Hop. C'est quoi ce truc? Ça vient de chez Calman Levy et ça a l'air d'être dur. C'est pour ça que ça me faisait mal. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Donc, il s'agit d'un roman graphique. Donc, c'est À la recherche de Jeanne de Zazie Tavitian et Caroline Perron. Ça a l'air trop bien. En fait, ça va être une histoire intergénérationnelle où une jeune fille va trouver le carnet de cuisine, je crois que d'une arrière-arrière-grand-mère ou d'une arrière-arrière-grand-tante, je sais plus. Grande-tante ou grand-mère d'ailleurs, qui est morte, qui a été exécutée dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça va être un peu de remonter cette histoire. Ça avait l'air mais incroyable. Oh, j'adore les planches. J'ai super hâte de lire ça, mais vraiment. Et je sais pas si je vais attendre le week-end en bulle, hein, parce que j'ai vraiment, vraiment hâte. Et pareil, il a ce côté, tu sais, toucher papier sans en faire trop, sans. Je sais pas, j'adore ces ouvrages. Voilà, je suis trop contente. Et du coup, j'ai vidé le derrière de mon derrière. J'ai vidé mon derrière, c'est très bizarre dit comme ça, non? En tout cas, ça me fait plus mal. Ensuite, celui-ci, c'est le seul, je sais ce que c'est, parce que je l'ai vu passer sur d'autres comptes pendant que j'étais en vacances. Donc, c'est PKJ. Et dedans, on a droit à un mug. Le livre, c'est The Itinerance Game, le tome 2, donc de Jennifer Lee Barnes. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. J'avais trouvé qu'il était... très page-turner en fait, j'avais vraiment aimé. Donc je suis hyper contente d'avoir le tome 2 et de pouvoir le découvrir. J'aime toujours autant la couverture. Le seul truc c'est que, personnellement j'ai beaucoup aimé le premier, mais pour moi il se suffisait à lui-même en fait. Donc j'ai hâte de savoir ce que l'autrice a pu nous faire dans le tome suivant en fait. Ça m'intrigue. Et il y avait du coup avec un mug. Par contre, putain, s'il n'est pas cassé, ils ont un bol de ouf parce que mis comme ça dans une enveloppe. Bon bah c'est un mug Itinerant Game, voilà. Bah merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop bien, c'est trop bien quand on est dans son bain. Non, c'est pas ça. Je suis trop contente, là j'ai envie de tout lâcher, de vous lâcher, de partir.
de me casser et de lire ça. Ah, je suis trop contente! Je suis trop contente! Donc, c'est à chaque génération, bienvenue à Sunnydale de Kendar Blake. Voilà, donc c'est place à la nouvelle tueuse. J'ai trop hâte. Mais genre, j'ai trop hâte. J'espère qu'elle va être badass comme Buffy et tout. J'ai trop hâte. Par contre, j'avais cru, ouais, c'est ça. Beaucoup ont critiqué parce que j'ai vu passer enfin, des critiques, des réflexions en tout cas, de la part des gens parce que le bouquin vaut 25 euros et c'est vrai que pour de la jeunesse, c'est extrêmement cher. Je ne sais pas du tout comment c'est justifié. Bon, la couve est incroyable. Hein. Vraiment, les effets qu'ils ont mis dessus avec des effets. Enfin, il y a plein d'effets sur la couverture, donc ça a dû coûter bonbon. Mais sinon, je sais pas du tout pourquoi il est aussi cher. C'est vrai que là, pour du young adulte, 25 balles, ça commence à vraiment piquer. Hein. Donc, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite, un tout petit. Ah non, un tout petit ou deux petits? Trois petits, je comprends rien. C'est des petits. C'est peut-être des mangas. C'est des mangas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le tome 1 de Let's Kiss in Secret Tomorrow, qui est déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà. Celui-là aussi est déjà sorti. À quoi tu joues, Yaoumu? Voilà. Il y a un truc dedans, c'est quoi? Un petit marque-page. Je vous le montre. Et ensuite, c'est Komi cherche ses mots. Ah oui, ça. Hop, de Tomohito Oda. Donc, c'est le tome 3. J'attendais d'avoir les trois premiers tomes pour les lire parce que j'aime pas en avoir qu'un ou deux. Donc, voilà. Cela aussi, pour le week-end en bulle, ça va être tout à fait cool. Ensuite, je ne m'arrête plus. Achète. Aïe, ça colle. Je n'ai jamais lu cette saga. Je savais pas trop si j'avais envie ou pas et je me suis dit essaye et voilà, donc il s'agit de Grass and Fury, donc Fleur de Fer de Tracy Bancart. Alors vous voyez, c'est une espèce d'édition, ça fait très édition collector je trouve, sauf que c'est une édition découverte, c'est écrit là en tout petit et du coup il est à 9,90€, ce que je trouve plutôt pas mal. Il est en tirage limité, alors après je sais pas. Quand ils disent tirage limité, je sais pas à quoi ça correspond en fait. Mais je crois que le 2 va sortir aussi. Je crois qu'il est sorti d'ailleurs le 2 déjà, non? Peut-être pour ça qu'ils ont relancé celui-ci en espèce de prix découverte. Pour redonner un petit coup de boost à la saga, je pense. On va ouvrir celui-là parce qu'il m'intrigue. Ah ok. Ah cool, très très cool. Donc il s'agit de deux romans de chez Ozu. Dont un que j'ai grave. Enfin, en fait, j'ai envie de découvrir les deux, mais. Il y en a un qui m'intrigue encore plus. Bah, Kikino, qui m'intrigue encore plus que l'autre. Donc, il y a. D'abord. Vous avez dû pas mal le voir, parce que je l'ai vu, moi, sur pas mal de comptes. Donc, il s'agit de La Cage de Emma. Je sais pas si on dit Seges. Oui, je pense. Ah bon? Bah, Kitsune n'est pas d'accord. Donc, La Cage, c'est la personne qui a gagné le prix du premier roman chez Ozu. Voilà. Et il me semble que dans le jury, il y avait Audrey du Souffle des Mots. Et je me demande s'il n'y avait pas Marie de Muffins and Books. Je suis pas sûre, mais c'est, je crois. Donc, j'avais très envie de le lire. Et celui-là aussi, il a l'air trop bien. Donc, c'est Max Talente de Mélodie Mouret. Voilà. Par contre, je suis déçue. Hein. J'ai vu qu'elle est en dédicacée et le mien n'est pas dédicacé. Moi, j'ai pas le droit à la dédicace. Voilà. Écoutez, je découvrirai ça avec plaisir. Voilà, je suis très contente. Merci. Ça va être un manga, je pense. Donc, il s'agit de Colocataires à leur manière, le tome 2. Bah, pareil, j'attendais d'avoir au moins 2, voire 3 tomes pour commencer. Donc, c'est très bien. Merci. Alors, hop, on va voir ça aussi. Encore de chez Hachette. C'est de la BD. Oh, mais trop bien! Trop, 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 trop bien. Alors, ah, ça tombe. Alors, il s'agit de... Mais j'ai tellement hâte, c'est un truc de ouf. Donc, il s'agit de Dracula, mais version Mickey. Voilà. J'ai trop hâte, mais un truc de ouf. J'adore ces... Il faut le savoir. Je suis une grande adepte de cette collection avec le dos tissé, là. Et j'adore. Pour ça, je suis vraiment restée très, très gamine dans ma tête. Mais ça, c'est trop de la bombe. Et alors, celui-là, La Bibliothèque des Vampires, ça a pas l'air ouf, s'il te plaît. Le tome 1, c'est de David Borio et de Man Luo. Voilà. Vous voyez que ça brille, c'est shiny. On va regarder à l'intérieur. Oh, c'est une bibliothèque, là. Et... Voilà. Truc de ouf.
Il y a écrit, il y a un secret dans cette bibliothèque unique, un secret que jamais personne avant eux n'avait découvert. Un secret qui révèle une destinée surprenante, immortelle de la nuit aux vampires. C'est doux. Ensuite, il y en a partout. Alors, hop. Trop bien, hein. Donc Hachette, ils me pourrissent, hein. Donc c'est City of Villains, donc c'est le tome 2, Crochet et Cicatrices. J'adore ces collections, vous savez, hein. De toute façon, Disney Heroes, je suis fan, moi. Ah, mais la couve est incroyable, là, il y a Capitaine Crochet. Franchement, faut que je lise le 1, parce que je ne l'ai pas lu encore, mais faut que je me fasse une petite session comme ça, Hachette Heroes. Allez, hop, celui-ci, il y en a deux. C'est A, ah, c'est Screenéo. J'ai eu du mal à les recevoir, les Screenéo, ça a été toute une affaire. Et sachant que il y en a un, voilà. Vous savez bien que c'est une de mes autrices préférées, donc je l'attendais. Hein. L'épée, la famine et la peste, le tome 1 d'Aurélie Wallenstein. Je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment. Je suis trop contente. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le lire, mais de fou. Après, je sais pas, putain, s'il faut attendre. Hein, il sort quand? Février 2023, ça va. Parce que j'ai eu très peur, je me suis dit, s'il faut que j'attende un an. On est encore avec une couverture d'Aurélien Polis qui est juste divine. Et j'ai vraiment trop hâte. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, j'avais pas demandé, puis je leur ai demandé de le rajouter. Parce que, bah voilà, parce que. Pff, comme ça. Donc, j'ai bugué. C'est Robusta, comme le café, de Betty Piccioli. C'est pas du tout le même type de papier. Également une couverture d'Aurélien Polis, voilà, donc le dernier roman de Betty Piccioli. Et puis on va découvrir ça avec plaisir, je crois, voilà, je crois qu'il y a une carte. J'aime bien, en général, les romans de Betty, ça passe plutôt bien, donc bah pourquoi pas. Chromatopia, c'était assez sympa, donc pourquoi pas, voilà. Et j'aime bien, c'est un peu dans la même, ils ont gardé un petit peu le même style de couverture et tout, c'est assez chouette. Ensuite, c'est très lourd ça. Et SP, c'est bientôt fini, après on va passer à mon craquage. Ça, c'est encore un manga. Ah, c'est le tome 2. Trop bien. Donc, c'est Les promeneuses de l'apocalypse, donc chez Doki Doki. Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, je les ai vus arriver chez tout le monde, donc je savais qu'ils étaient à la maison. Le secret de Night Silver de Annelise Avery. Pareil, il est déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Et on a des petits décors au niveau des entêtes de chapitre. Voilà. C'est écrit très très gros, hein. C'est en jeunesse, c'est pas en young adulte. C'est vraiment écrit très gros, très très gros. Et j'ai hâte de découvrir. J'ai une petite montagne là. Hachette, donc c'est sûrement Glénat encore. Alors on a Alice Présidente, en toute simplicité. Et on a. Ah oui, trop bien! Je vais faire des envieux. On a le tome 2 de Phobos. Voilà. Alors, ensuite, j'ai celui-ci qui est très gros. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a deux. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas ce que c'était. Ah oui, trop bien. C'est Réseau. C'est une saga de Vincent Villemino que je n'avais pas encore découverte. Du coup, j'avais demandé le 1 et le 2 en poche. Et... j'ai bien envie de tester ça, parce que j'aime bien, j'aime beaucoup la plume de Vincent Villemino. Et j'étais passée complètement à côté de cette saga. Donc voilà, ils mettent le chaos est déclaré sur les réseaux et dans la rue. Ensuite, j'ai celui-là. Gulfstream Éditeur. Je sais que je dois recevoir un roman de Gulfstream. Je savais pas qu'ils avaient fait une jolie box comme ça. En plus, j'ai toujours pas eu le temps de lire le lion, le dernier nom, le lion d'Albâtre, un truc comme ça. J'avais peur de l'abîmer, donc je l'ai pas emmené en vacances. J'avais vraiment peur d'abîmer le bouquin. Et j'ai très envie de lire, donc faut que je trouve du temps. Chose qui va devenir très, très rare là dans les jours qui arrivent, mais bon. Enfin, dans les jours. Hein. Dans les semaines plutôt, parce que je suis un peu généreuse, moi. C'est bien, ils décollent bien leur scotch, dis donc. Je vais même pouvoir réutiliser le carton. Ça, c'est. On aime quand c'est recyclable. Voilà. Alors.
Oh, il y a plein de trucs. Mais le carton est incroyable. Non, mais sérieusement. Non, mais regardez ça. C'est la couverture du bouquin. C'est trop joli. Et on peut même scanner un QR code. On a également un éventail avec... ils ont fait graver dessus le titre du bouquin. On a... Je savais pas qu'il était en hardback. Mais... Ah, mais c'est pas un vrai hardback. C'est trop bizarre. J'ai le communiqué de presse. Hop, qui est là. Du papier de soie que je vais garder parce que je peux le recycler. Non, mais le carton, s'il vous plaît, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui recevra sûrement un de ses colis dans ce carton parce que je vais le garder pour le recycler. En plus, il est tellement joli à l'intérieur que ce serait dommage de le gaspiller. J'ai un poster. Attendez, je vous montre ça. De la couverture. Qui est plutôt très joli. Hop. J'ai reçu ça. Je sais pas ce que c'est des herbes. Et celui-là, alors, il est souple. C'est du semi-hardback, je sais pas trop comment expliquer. On a l'impression que la couverture est tissée. Alors, elle est incroyablement belle, je sais pas si vraiment là ça rend justice, mais elle est sublime. Vous l'avez vu en direct. Je vais vous faire un ralenti. Voilà. Oh la vache. Ah, mais en plus, il est signé. C'est magnifique. C'est... Ah, mais ce colis est incroyable. Le livre est... Non, mais sérieusement. Incroyable. J'ai plus de batterie, ça va couper. Oh là là, mais la beauté du truc. On a l'impression qu'il est en tissu. Et du coup, avec, ce qui m'a attaqué, c'est le marque-page qui va avec. Je suis super contente. Franchement, je suis hyper contente. C'est vachement bien, là, ces pochettes à marque-page. C'est pas écolo, mais c'est vachement bien. Et pareil, la matière. Oh, mais il est parfumé ! Non, j'y crois pas. Il est parfumé. Bon, bah, merci. Vraiment, Gulfstream, vous faites un travail incroyable. C'est sublime. C'est sublime. Avant que la batterie s'éteigne, je vais ouvrir celle-là et je vais changer la batterie pour ouvrir le paquet de Gilbert Joseph. Donc ça, je n'étais pas au courant, mais c'est ma copine Léa. Léa, je sais pas pourquoi je le fais en version chèvre. Du compte Léa Book Addict. Je vous mets le lien en barre d'infos de son shop. Elle fait des marque-pages et je suppose qu'elle m'a envoyé quelques nouveautés. Et elle m'avait pas dit, c'est une surprise. Donc merci Léa, t'es très gentille. Sa petite carte, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Alors, elle m'a envoyé Feeling Cozy dans cette version-là. J'aime beaucoup le bleu que tu as choisi. Feeling Cozy aussi dans cette version-là. Et un avec une mug d'automne. C'est très très joli. Je vous mets ça en barre d'infos. Elle a fait toute une collection d'automne. Si vous voulez aller voir un petit peu les marque-pages qu'elle propose, je vous mets ça dans la barre d'infos. Je change de batterie et je reviens. Bon, je viens de changer la batterie. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Et je viens en me levant de découvrir que ça était caché derrière mon popotin. Voilà. On va regarder. Donc, j'avais demandé de Mami Twink, Histoire de guerre. Parce que j'aime bien ce que fait ce personnage. Et j'avais très envie de découvrir cet ouvrage. Voilà. Alors, je vais pas le lire comme un roman, on est d'accord, parce que c'est pas possible. Mais je vais regarder un petit peu tout ça. Vous savez que j'adore l'histoire. Et alors là, c'est la partie de l'histoire qui m'interpelle le plus, et ça s'appelle Les héros oubliés. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à un colis énorme aussi, chez Gilbert. J'ai fait beaucoup de tri dernièrement dans ma palle et dans ma bibliothèque. J'ai envoyé énormément de cartons chez Gilbert, et du coup, attendez, du coup, j'ai passé une très grosse commande. Clairement. Donc, clairement, j'ai passé une belle commande. Et voilà, donc je me suis pris Les choses humaines de Karine Tuile. Si vous avez vu le dernier Piquiti Papote, vous savez pourquoi. Voilà, donc j'ai très envie de le lire. Sarah m'a vraiment intriguée avec ce titre. Donc je me le suis pris en poche. Je vais essayer de me le caser assez rapidement et puis je vous en reparle bientôt. Ensuite, j'ai pris Les errantes de Joe Witek aux éditions, je sais pas, c'est chez qui, Actes Sud Junior. Voilà, alors par contre, j'ai vu. Qui c'est qui a pas trop aimé?
Je crois que c'est Solène de Solivresse. Moi, j'aime bien Joe Witek, pardon. J'ai lu plusieurs romans de l'auteur et j'aime bien. Donc, bon, pourquoi pas. Moi, ça m'intriguait. Je vais essayer de le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très envie de le lire. J'espère que j'aimerai plus que Solène. Je crois que ma montagne, là, va pas tenir. Ensuite, ça, je pouvais pas passer à côté. Joyce Carol Oates, Dans le bleu. Donc voilà, et c'est traduit par Clémentine Beauvais. Alors, en plus, deux choses. Donc déjà, traduction de Clémentine Beauvais, en général, je fonce. Et j'aime beaucoup Joyce Carol Oates, mais en je la lis en adulte. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un roman young adulte, je me suis dit, oulala, il faut pas que je passe à côté de ce roman. Il est très court, il fait 270 pages. J'espère que je vais réussir à le lire assez rapidement. Enfin, le caser. Pas le lire vite, mais le lire dans peu de temps. C'est plutôt ça que je voulais dire, parce qu'il m'intrigue beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris. Ah oui, ça avait l'air génial. Hidden Pictures, donc chez Bragelonne, de Jason Reculac. Il a l'air dingue ce bouquin. Mais vraiment, il a écrit. Ah, c'est soi-disant Stephen King qui aurait dit ça. Donc j'ai adoré ce roman, un style direct et sans fioritures, de réelles surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine et les illustrations sont excellentes. Voilà, alors c'est un peu. Oh putain, ça fait flipper. C'est un peu dans la même veine que, vous savez, truc de Peregrine, là. Donc on a à chaque fois des illustrations donc, qui vont crescendo assez soft. Et puis on peut se taper des trucs. J'en ai vu une là qui était un peu creepy. Après, tu vois, tu peux avoir des illustrations comme ça. J'ai hyper, hyper envie de le lire. J'ai trop, trop, mais trop envie de le lire. Je l'avais demandé à Bragelonne, ils en avaient plus. J'ai dit, c'est pas grave, je l'achète direct. Parce que celui-là me fait vraiment envie. Et celui-là, il y passe en octobre, c'est une certitude. Peut-être même avant si j'arrive pas à me retenir. Et ensuite, j'ai pris. Est-ce que tu viens de voir ce qui s'est passé là? Je n'ai absolument plus d'épaule. Ça m'a tué l'épaule. Bref, donc je me suis pris Legendborn de Tracy Deon. J'ai super envie de lire, mais je savais pas que c'était une bricasse comme ça. Voilà, donc j'ai acheté ce livre. Je suis très contente qu'ils aient gardé la couverture avec la jeune femme noire. Je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, j'ai très envie de le lire. Apparemment, il est incroyable. En anglais, il a eu des retours de fou en fait. Mais de fou. Voilà, je suis trop contente. Et j'ai pris, vous en foutez, mais. J'avais décidé de me faire. Bon, j'ai presque toutes les éditions d'Harry Potter que je peux trouver. Et j'avais pas fait celle-ci encore. Donc je suis en train de la faire. Et du coup, bah, je me suis pris deux tomes. Voilà, tout simplement. Et je vais les mettre avec les autres. Et bah écoutez, cet unboxing gargantuesque est terminé. Je sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent, notamment des romans de chez Charleston qui sortent là à la rentrée. Qui vont arriver, je pense. J'attends d'autres petits romans. Je sais qu'ils arrivent. C'est rentrée de folie, là, franchement. Rentrée de folie. Moi qui avais dit, tu fais gaffe, tu prends pas trop de trucs et tout. Du coup, je suis pas sûre que mon défi de garder mes deux étagères vides va être tenu, parce que ça va devenir très compliqué, je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous a distrait parce que c'est clairement le but. C'était de vous distraire, de vous montrer des nouveautés, etc. Voilà, je trouvais ça drôle d'ouvrir ça avec vous, donc je l'ai fait. J'espère que ça vous a plu. Parce que c'était pas très facile, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour me dire quel est, bah, par exemple, dans tous ceux que je vous ai montrés, là, s'il y en a qui vous tentent vraiment, lequel et tout. Franchement, n'hésitez pas parce que quand je vois qu'un roman est très. Plébiscité, on va dire, j'essaye parfois, si je peux, de voir avec la maison d'édition si je peux vous en faire gagner. Donc vraiment, n'hésitez pas, on sait jamais, on sait jamais, hein. Du coup, j'espère vraiment vous retrouver dans les commentaires. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît, que vous avez constaté une évolution dans l'image, parce que normalement, c'est pas la même qu'avant. N'hésitez pas à mettre en 4K si vous avez une télé. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein d'énormes, énormes bisous. Je vais aller boire parce que j'ai la gorge on fire. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Et c'est tout, je l'ai déjà dit 15 fois, je crois. Voilà. Bisous, 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 bisous.